Bienvenue à tous et à toutes donc dans ce partage que nous faisons ensemble. Donc partage au sujet de la création, donc de l'Éden qui était autrefois avec Adam et Ève, et bien sûr de la conséquence du péché, de la désobéissance et de la destruction que nous faisons malheureusement avec des destructions actuelles, la nature qui est dégradée, etc. Nous allons parler de tout ça un peu plus donc avec le frère ici présent. Donc nous allons t'écouter, nous t'écoutons frère. Oui. Le jardin d'Éden perdu et la poursuite du vent. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, s'il n'est une chose dont on dise « voici, ceci, c'est nouveau ». Cette chose existait déjà, dans le siècle qui nous a précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir, ni chez ceux qui vivent plus tard. Ecclésiaste 1, verset 11. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi. Sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Quand le Créateur acheva la terre, il fit don à l'homme d'un paradis achevé et parfait, exempt de tout souillure et de toute tare et discorde. Il y avait toutes sortes de nourriture et d'essence d'arbres portant sa semence pour le besoin de l'homme. Genèse 1, versets 29 à 30. L'homme devait être à la base un cultivateur, selon l'ordre que le Créateur lui avait indiqué. Genèse 2, versets 15 à 17. Mais un élément extérieur est venu lui montrer une toute autre façon de voir et de faire les choses. Alors il a commencé à se prendre pour un dieu et à compliquer son existence, à modifier son environnement d'une façon irrémédiable, avec sa science et sa chimie, un semblant de bonheur et une illusion. Genèse 3, versets 1 à 5, qui reste inaccessible à un grand nombre d'entre nous, et qui fait beaucoup souffrir les hommes pour pas grand-chose. Des destructions, on dit. Alors, tout est éphémère et vaniteux. Lorsque vous achetez un objet quelconque durant 3 mois, vous êtes euphorique, et après, vous éprouvez le besoin de vous approprier encore autre chose. De ce fait, vous n'êtes jamais satisfaite de quoi que ce soit.
et ce, jusqu'à ce que vous n'éprouvez plus le besoin pour quoi que ce soit. Car le monde passe avec ses convoitises en vous emportant avec lui. L'homme est en quête de quelque chose qui serait capable de lui combler le cœur et l'esprit. Mais il est coupé de la source capable de combler ce vide. Du coup, il se retrouve avec beaucoup d'objets autour de lui. Et par la suite, tous ces objets sont mis au rebut et les moyens mis à les fabriquer ont demandé beaucoup d'efforts et de désagréments. Si nous prenons par exemple la pétrochimie qui est utilisée dans bon nombre de choses, voyez-vous, afin de maintenir cette société artificielle, il faut beaucoup de désagréments, ce qui génère beaucoup de pollution pour notre environnement, des déchets et des décharges considérables auxquelles nous ne savons quoi faire car il y en a beaucoup, trop. Détruire la terre. Nos spécialistes du recyclage ne peuvent toutes les transformer. Nos grandes villes se ressemblent toutes et elles sont identiques d'un point de vue architectural et de construction, c'est-à-dire les matériaux utilisés ne sont pas nobles, car non seulement elles génèrent le cancer, mais les ondes électromagnétiques circulent facilement à travers ces matériaux, ce qui cause beaucoup d'insomnie, la fatigue. Les villes sont des parcs à automobiles, l'air est irrespirable. Les caoutchoucs des pneus et des particules des freins, des gaz d'échappement dans l'air, dans les eaux de pluie, transportés vers les ruisseaux, les fleuves et les océans, avec tous les hydrocarbures en tout genre, sont drainés vers les fonds marins, ce qui altère les algues et les océans. Problème, c'est que nos poissons se nourrissent de ces plantes pour un grand nombre d'entre eux, et nous aussi, en consommant ces animaux marins. Ce n'est pas étonnant que s'ajoutent à la liste toutes sortes de pathologies connues et inconnues des spécialistes. Notre nourriture devrait être essentiellement des fruits, des légumes, des céréales et non une nourriture industrialisée avec des composants étrangers. Puis, devant être accompagné d'une eau de source pure, c'est la boisson par excellence. Il n'y a pas meilleur que cette boisson-là. Les buveurs de produits artificiels ne sauraient dire autrement. Car il le faut d'une façon ou d'une autre boire de l'eau afin de se désaltérer véritablement les papilles et de permettre que les reins puissent bien fonctionner et en transportant les déchets par le sang fluidifié. Cette boisson se fait de plus en plus rare, car à cause de la pollution majeure qui s'est répandue sur toute la surface du globe, telle que l'utilisation des produits chimiques dans certains domaines de l'agronomie, l'agriculture, l'industrie de tout genre. Par exemple, il faut beaucoup d'eau pour l'industrie automobile, le gaz de schiste, le nucléaire, l'extraction des ressources minières, l'or. Tout cela a beaucoup contribué à la dégradation de nos nappes phréatiques et nos rivières, nos fleuves. Qui peut dire aujourd'hui, j'ai soif, je vais boire de l'eau d'une rivière sans que je sois inquiété? Impossible. Il nous faut acheter cette eau chez les riches qui sont les dépositaires de cette ressource indispensable à l'humanité. Apocalypse 8, verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Les barrages gigantesques qui prive une certaine catégorie de population de l'eau potable qu'ils auraient besoin. Comme l'Afrique. Comme l'Afrique.
L'eau, comme vous devez le savoir, est un liquide très fluide qui traverse bien des endroits inaccessibles à l'homme, ce qui lui permet de parcourir toute la terre et d'être au service de tout ce qui a vie, l'homme, les plantes, les animaux, les insectes et les matériaux, c'est-à-dire les différentes propriétés de la terre. Mais s'il ne circule pas toujours là où il faut et quand il le faut, cela crée un déséquilibre en hydrodynamique. Mm-hmm. Quant à notre espace aérien, c'est une autoroute à ciel ouvert où circulent des millions d'objets volants capables de créer de véritables embouteillages aériens au-dessus de notre tête, sans compter les débris des satellites, ce qui n'est pas anodin. Oui. Puisque les risques ne sont jamais zéro. Oui. Sans compter la pollution que cela génère autour de la stratosphère. Les particules de métaux dans l'air y est pour beaucoup à notre dégradation de nos poumons, nos cheveux qui blanchissent. Notre ciel n'est plus vraiment bleu, mais plutôt gris, ainsi que nos océans. Oui. La Terre est un véritable dépotoir en tout genre. Un véritable lieu de pénitencier où les hommes souffrent souvent en silence depuis qu'Adam a perdu le jardin d'Éden. Mais ce qu'il y a de très étonnant avec les hommes, c'est qu'ils se prennent très au sérieux avec les autres quand il s'agit de mettre en avant leur orgueil et propos qui les rabaissent. De ce fait, ils disent que les autres ont un QI inférieur à la leur par rapport à la technologie qu'ils détiennent. Alors que justement, ce sont ces choses-là qui ont créé une désolation sur notre planète. Mmh. On peut bien se demander où se situe véritablement l'intelligence. La question ou la réflexion qui s'impose, était-ce les techniques de civilisation qui rend l'homme supérieur sur le reste des créations de Dieu? C'est-à-dire les animaux ou les différentes ethniques, races, groupes de personnes répartis sur l'ensemble du globe qui n'avaient pas toujours les mêmes besoins de créativité puisque chacun dépendait de sa culture ancestrale. Était-ce une compétition inter-ethnique ou une civilisation terrienne qui cherche la vérité, la solution à un autre problème commun qui est le paradis perdu? Nous avons tous les mêmes gènes morbides en nous, les mêmes maux, et l'un des plus communs est la mort. Non, l'intelligence ne se résume pas tout simplement à cela. Elle est bien plus complexe que cela. Elle passe d'abord par la sagesse, la réflexion, le respect de la vie sur terre et d'autrui. Si un peuple se définit ainsi en fonction de ses prouesses techniques et qu'il tue son semblable sans égard et qu'il détruit son environnement, ne prouve pas qu'il est intelligent, mais plutôt un destructeur en saccageant le jardin. Peu après la désobéissance de l'homme, c'est-à-dire Adam, Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, versets 22 à 24. C'est pour cela que vous et moi, nous sommes dans cette situation embarrassante et cyclique. La solution ne se trouve pas dans la confrontation fratricide, ni une compétition économique ou d'estime de soi qui conduit à l'orgueil, mais plutôt vers un désamorcement des conflits qui nous conduira de préférence à la décroissance où chacun aura sa petite parcelle de terre afin d'y planter ses fruits et légumes. En préambule, ils bâtiront des maisons et les habiteront.
Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Le loup, l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 65, verset 21. Ce sera le paradis retrouvé. C'est ça tout à fait. Donc c'est la promesse de l'Apocalypse aussi. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dit l'Apocalypse. Et le Christ va venir établir son royaume. Donc, mais dans un temps que nous ne connaissions pas, que nous ignorons encore jusqu'aujourd'hui. Et il y a un salut pour quiconque aujourd'hui, parce que le péché a engendré ce que a dit le frère ici. Hein, le désordre, la désobéissance et le dérèglement climatique aussi, parce que c'est une forme de péché. Hein, nous détruisons la nature, donc il y a beaucoup de péchés que nous faisons, consciemment ou inconsciemment. Voilà, donc c'est la nature de l'homme, on est pécheur. Et le moyen d'être sauvé, c'est de suivre Christ aujourd'hui. Et bien sûr, il y a son royaume qui va être établi, il y aura des demeures, etc. Il y aura beaucoup de choses, son royaume va être magnifique, merveilleux. Il y aura des jardins, etc. Comme a dit le frère, donc ce sera magnifique. Et vraiment, on vous invite à entrer dans son royaume, à être des élus aujourd'hui, à accepter le Messie. Voilà. En tout cas, c'était très très beau ce que tu as dit, mon frère. Et c'est vérité absolue. Donc Claude, tu vas dire quelque chose par rapport à ça? Ben, je tiens à confirmer ce que le frère a dit, que souvent on peut s'attacher à des vanités, des choses qui... C'est ça, hein. Qui seront périssables, des métaux, de l'or, des choses qui nous aideront à rien, à combler le manque qui attend nous, parce que l'homme a ce besoin de rétablir le contact avec Dieu par le biais de Jésus-Christ. Et c'est là le véritable besoin que l'on recherche et que l'on met des fois dans toutes ces choses qui sont des vanités. Donc accrochons-nous aux choses qui vraiment nous aideront à retrouver ce besoin qu'on a en chacun de nous. Tout à fait. On ne peut pas combler par des choses matérielles. Tout à fait. Voilà, ben excellente journée à vous, soirée. Et puis on vous dit à bientôt.